Croulout, ici Lupina pour l'épisode numéro 56 du sang bébé challenge. Normalement, elle devrait accoucher. Je sais pas si ce sera des jumeaux. J'espère vraiment. Je joue tout à la suite, hein, au cas où vous demandez. Donc voilà. Ok, donc on va le mettre là en attendant. Non, juste faire... Object. On, j'ai fait des bêtises. On, voilà. Hop, on efface et mets-le là. Voilà. Du coup. J'ai trop hâte qu'elle ait son bébé. Son bébé. Édouard, va faire tes devoirs. Ils sont tes devoirs à toi. On ne saura jamais. Il va les chercher. Ah, c'est bon, ils étaient sur la table. Petit coquinou. Canaillou. Ça devrait aller. Ma petite Clem, tu as faim? Ah bah tiens, il y a un truc à manger là. Vas-y, mange la salade de fruits. Clémentine. Tais-toi, toi. On veut plus vous voir maintenant. On s'en fiche de vous. Alors, ça par contre, ça dégage. Ils ont fini. Il a fini ses devoirs. C'est parfait. Fais du travail supplémentaire ensemble. Foutez-moi la paix. Merci. Alors, il est 19h. Du coup, est-ce que vous avez tous fait vos devoirs supplémentaires? Bah non, évidemment. Hein? Sinon, c'est pas drôle. Dépêche-toi, toi. Toi aussi. Vite. Sale gosse. Oh, ça y est, elle a commencé à coucher. Mais fais ton travail supplémentaire. Bon, bah du coup, on va l'emmener à l'hosto. On va y aller avec Elancia. Alors la dernière fois, il y avait eu un petit truc comme quoi il était possible, enfin il y avait plus de chances qu'elle ait des jumeaux. Si elle n'en a pas, ben, tant pis. J'ai vraiment la poisse quoi. Oh, un chat mignon. Il est mignon le chaton. Bah oui, il est mignon. Bon, bah allez, c'est parti. Hein. On y va. On y va. Si un réceptionniste veut bien s'amener. S'il vous plaît, je vais accoucher. Merci. Pardon. Oui, mon chat. Allez, ma petite Clem d'amour. Papa, tu vas encore m'accoucher. Ouais. Génial. C'est le 11e enfant que tu m'accouches. Tu dois kiffer, hein. Ça doit être horrible, en vrai. Bon, c'est pas une fille, là, je pense que je peux me suicider. Vous avez vu tous les gars qu'on a eus? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 gars. 8 gars. Clémentine, quand est-ce que tu me fais une fille? Je sais pas quoi mettre comme prénom. Je vais mettre Aurélien. Voilà. Hein, je mets les gens de mon Discord maintenant. Et il y en a qu'un. Oh l'arnaque. Je me demande si accoucher dans ma maison, ça a pas plus de chances de me faire avoir des jumeaux. Ou si j'ai vraiment pas eu de bol. Oh, je suis trop deg les mecs. De toute façon, fallait s'en douter. Hein. Donc c'est pas grave, hein. On va appeler notre... l'autre mec. Hein. Et puis on va copuler, écoute, qu'est-ce que je te dise. J'espère qu'il sera pas trop tard pour qu'il vienne. Ah, oh, je suis dégoûtée. Tu m'avais dit, oui, j'ai beaucoup, beaucoup plus de chances d'avoir des jumeaux. Mon cul! Non, bah, la prochaine fois, j'accouche chez moi. Hein. Tant pis, on verra. Peut-être. On verra. Je suis dégoûtée, dégoûtée, totalement dégoûtée. Yeah, 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 yeah. Bref. Alors. Ouais, bah, mon cul! Mon cul que ça marche pas. Bon, c'est pas grave, au moins, on a eu un bébé, le 11e. C'est qui?
qu'on doit... C'est lui qu'on doit appeler. Allez, viens. S'il me dit que c'est trop tard... Ah, cool. Merci, monsieur. Donc, débloqué. Les gosses, faudrait faire vos devoirs. Oh, ils sont où tes devoirs? Oh, c'est pénible. Garde-le dans ton inventaire, sale bête. Oh. Faire du travail supplémentaire, faire du travail supplémentaire, Boudiou. Est-ce qu'il est là, lui? Ah, c'est bon. Coucou, chérie. Technique de drague. Draguer. Embrasser. Salut, bébé. Quoi, il veut pas? Ah, si, c'est bon. Ouf. Ouf, j'ai eu peur. Du coup, allez, on va y aller, là. On n'a pas le temps. J'espère qu'il va nous suivre. Il ne nous suit pas, évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Oh, mais viens, trou de balle. Mais qu'est-ce qu'il fait? Viens ici! Bon. Essayez de faire un bébé. On va le faire plusieurs fois encore. Visiblement, ça n'a aucune influence sur le... sur la chose. Salut, on fait un bébé. Ouais! Allez, cool. Du coup, toi, c'est fini ou pas? Travail supplémentaire terminé, parfait. Alors mes chats se battent en fond, c'est génial. Les chats, ça suffit! Allez, prends une portion. Toi, tu vas te coucher. Et se coucher, hein, pas faire une sieste, merci. Toi, tu vas te coucher. Voilà, et toi aussi. Le chat! Bah oui! Et toi aussi, au lit. Oh, ce chat! Alors, il est pas malheureux, hein. Je sais pas pourquoi il fait ça. Allez, retournez-y là! Est-ce que ça met le truc ou pas? Mais oui, ça le met! Clémentine se sent en pleine forme, ses chances d'avoir des jumeaux sont élevées! Donc, j'ai vraiment pas eu de chance, hein, en fait. Vraiment pas. Bah tant pis, écoutez, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, allez, va faire ton truc là. Ah, ils le font encore. Bon, bah allez-y, hein. Moi, je m'en fiche. Hop. Et ensuite, on va s'occuper du mouflet qui nous enquiquine. Donc c'est bon, ils ont bien copulé ces deux-là. Ah, il va faire ton test de grossesse. Ses chances d'avoir des jumeaux sont élevées. Pendant 3 heures. Donc pendant 3 heures, on doit copuler? Je sais pas. Bah, on va réessayer au pire. Édouard, je t'ai dit d'aller dormir! Tu nous fais chier! Oh! On va réessayer. Il est parti, le mec? Bah, attends. Ah bah, ouais. Il doit être parti. Ah bah oui, il est parti. Bah écoute, fais ton test. Bon, elle est enceinte, c'est déjà ça. J'espère quand même qu'elle a le jumeau. Je ne sais pas, je sais pas du tout comment ça marche, je sais pas. On verra. On verra. Allez, ma petite Clem, va t'occuper du jardin. Je m'occupe de mon jardin. La 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 la. Je m'occupe de mon jardin. Ah la 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 la. Ça ne s'arrange pas dans ma tête, hein. La 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 la. Ra la 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 la. Faire évoluer. Faire évoluer. La ri ri ri. Mange un truc. Hop. Quand même.
Ensuite, on s'occupera de ce sale chiard qui arrête pas de râler. Il faut que je trouve des fraises. Écoutez, on va faire ça. On va aller chercher des fraises. Parce qu'apparemment, si on mange des fraises, on a plus de chances d'avoir une fille. Et ce serait vraiment bien d'avoir des filles, là. Parce que c'est pas possible, hein. Ce n'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'ils ont tous mal à l'aise, ceux-là? Oh! Ah oui, quand même. Tizi, regarde la télé, tu mangeras à l'école. Robin utilise les toilettes de maman. Et... mais ils ont eu des A ou pas? Non, ils ont toujours AB. Ok. Va regarder la télé, je sais pas, occupe-toi, c'est bon. Ok, il veut discuter avec le cabinet. C'est bien, t'es intelligent. Hop, lui, il dort encore, c'est parfait. Hop. Oh, ils vont pas bien. Pourquoi t'es triste, babouin? Petit babouin. Oh. Eh ben, tu parleras à l'école, hein. C'est pas grave. Hop, bam. Viens ici. Va parler au bébé, au pire, hein. Babillé, parler, babillé, parler, parler, babillé. Ça n'a pas marché. Voilà. Ça ne remonte pas du tout son social. C'est bien. C'est intéressant. Du coup, Clémentine, dès que les mouflets sont partis à l'école, voilà, normalement ils devraient partir. S'il vous plaît, dépêchez-vous. Donc, dès que les mouflets sont partis à l'école, on va aller manger des fraises. Et plus vite que ça. C'est bon, ils sont à l'école. Alors. Non, 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 non. Casse-toi. Casse-toi. Voilà. Au revoir. Merci. Non, mais j'hallucine le mec. Du coup, réviser assidûment. Réviser assidûment. Rien, rien. Hop, c'est bon. Et on se casse. Je ne sais pas du tout où il y a des fraises. Je crois qu'il y en a là, mais je ne suis pas du tout sûre. Il y en a par là, normalement. On y va toute seule, on s'en fiche. Je crois qu'il y en a par là, mais je sais pas. Je sais pas du tout. On verra de toute façon, hein. On verra s'il y a des fraises. Et peut-être que sinon un stand en vend. Je sais pas. Je ne sais pas du tout. Alors, voyons voir. Oui, Aurélien, t'as la garderie. Encore heureux, j'ai envie de dire. On n'a pas besoin de creuser, on a déjà assez d'argent comme ça, je trouve. Ça, c'est quoi? C'est des fleurs, on s'en fiche. Des grenouilles, des machins, ça ne nous intéresse pas. Ça, je sais pas ce que c'est. Ça a pas l'air d'être des fraises, des jacinthes. Non. Allez, il faut qu'il y en ait là. Faut qu'il y en ait les fraises. Ouais. Oh, là-bas. Non. Des fraises, je veux des fraises. S'il vous plaît, des fraises. Je ne sais pas où elles sont. Là. Oui, les fraises. Normalement, quand on mange des fraises, on a plus de chances d'avoir une fille. Mais bon, on sait pas. Enfin, je sais pas. C'est ce que j'avais compris. Enfin, ça peut influencer le sexe du bébé. Donc, tu vas manger les fraises. Manger fraises, manger fraises, manger fraises, manger. Manger fraises, manger fraises, manger fraises, manger. Ouais. Allez, mange les fraises. Mange-les toutes. Je veux absolument une fille. Voilà, c'est même pas une question d'argent ni de quoi que ce soit, je veux une fille là. Parce que bon. Mais je crois que normalement, on peut demander. Vous savez quoi? Je vais faire un truc. Je vais appeler mon père. Si je le retrouve. Harmonie. Invité.
J'espère qu'il va pouvoir venir. Il va arriver, c'est parfait. Alors, je sais pas où il est. J'espère qu'il va me rejoindre. C'est bon, il est là, non? Non. C'est une damoiselle, il est où? Harmonie, t'es où? C'est qui ça? Clément Richard. On s'en fout de Clément Richard. Il va arriver, il est où? Bon, attendez, on va aller au parc avec lui. Ce sera plus simple. Et comme il est médecin, normalement, si j'ai bien compris, il peut nous dire le sexe du bébé, etc. Mais je suis pas sûre, parce que j'ai toujours essayé et j'ai jamais compris comment ça marchait. Donc je ne sais pas. On va voir. Parce que quand je cliquais dessus, en fait, ça me disait rien. Il n'y avait pas de message, il n'y avait pas de bulle, que dalle. Donc on va voir, on va devenir pote avec notre père. Qui nous accouche, hein, ce n'est pas du tout glauque. Tout va bien. Je suppose que quand peut-être. Non, peut-être pas en fait. Si ça se trouve, quand il y en aura notre futur matriarche, ce sera le grand-père qui les accouchera aussi, tu sais. Alors, non, on veut pas vivre avec toi. Complimenter, blablabla. J'aimerais juste bien. Stratégie de jeu, machin, donner des astuces en réparation, s'en fout. Exprimer, faire connaissance. Prendre une photo, partager la grande nouvelle. Non, il donne pas la clé de l'appartement. Surtout pas. C'est ton père. Putain, elle a des bonnes relations avec son père alors qu'on lui a jamais parlé, tu sais. Visiblement, l'affaire accoucher, ça les a rendus très proches. En même temps. En même temps, quoi. Alors. Au revoir, les autres Sims. Donner conseils en réparation, conseils sur les jeux, blablabla. Discuter, théorie des couleurs. Devenir meilleure amie, peut-être. De toute façon, on n'a pas d'amis avec Clémentine, donc autant qu'elle en ait un, même si c'est son père. Après le bricolage, illuminer, flatter, faire connaissance, blablabla. Ça, on s'en fiche. Prendre une photo ensemble. Partager la grande nouvelle. Tu l'as fait ou pas, du coup? Tu l'as pas fait. 1, 2, 3. Alors, une histoire délicieuse. Révéler un secret bien enfoui. J'aimerais que tu. Tu veux pas me dire? Tu veux pas me dire? Bah là, j'ai beau regarder, les gars. J'ai beau regarder, je ne trouve. Pas. Je ne trouve pas. Mais dis-moi quel est le sexe de mon gosse. Action dissoudre la bande. Bah, pas tant pis, hein. Tant pis, tant pis. Parce qu'ils sont très proches, ça se trouve, il faut attendre qu'elle soit. C'est acceptable. Ça se trouve, faut attendre qu'elle soit au deuxième trimestre ou au troisième, je sais pas. Ce serait plus logique, remarque. Bon bah rentre, hein, du coup, ma petite. On l'invitera au pire quand elle sera au deuxième trimestre et puis on essayera à nouveau. Et si ça ne marche toujours pas, on essayera au troisième trimestre. On verra bien. Ce serait vraiment bien que ce soit une fille là, quand même. Parce que bon. Hein? Quand même. Hein? La meuf, j'en peux plus de moi. JPP. Alors oui, là j'ai fait beaucoup d'épisodes à la suite. Surtout, n'hésitez pas à commenter. Même si je fais mes épisodes à la suite, sachez que je vous lis et je prends en compte vos commentaires, vos conseils, etc. Même si je les applique pas tout de suite vu que je fais les épisodes à la suite, mais en général après je les fais. Donc n'hésitez pas à commenter. J'adore vos commentaires, j'adore lire, j'adore y répondre, même si je mets parfois un petit peu de temps. Donc voilà, n'hésitez pas, ça me fait plaisir. Entretien le jardin. Ensuite, tu iras regarder la chaîne pour enfants. Je m'en fiche, Louise. Didi 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 did
Allez, zouzou. 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 Oh, mes gosses sont tous tendus là. Oh, punaise. Travaille davantage, sale gosse. Oh, mais Edouard, mais cette coupe, ces lunettes, c'est infâme. Le pauvre. Voilà, regarde ça un bon moment là. Ah, ils sont tous rentrés. Oh là 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 là. Le divertissement est pourri. Écoute, tu vas manger un truc et ensuite tu iras danser. Voilà. Toi, tu vas aller te doucher. Toi, tu vas venir là. Toi, tu vas venir là. Allez, les gosses. Ouvrir. Ah, merde, j'en ai plus. Prendre une portion. Ouvrir. Prendre une portion. Ensuite, tu iras danser. Toi aussi, tu iras danser. T'as mon petit lapin. Tu vas aussi manger un truc. Prendre une portion. Et danser. Voilà. Voilà, c'est bien comme ça. Clémentine, elle regarde jusqu'à... Ouf! Oui, on sait que tu aimes la nourriture végétarienne, on a compris. Oh là là. Ensuite, ma petite Clem. Allez, jusqu'à 30 et ensuite je te laisse tranquille. Voilà, va pisser. Va pissouille. Je vais vous laisser sur ce. J'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à aimer, à partager. Et voilà, je vous envoie des cœurs et des paillettes. Et salut!